Le groupe Trio, toujours festif et populaire, revient avec un album intitulé « Vent debout, un retour en force ». Ils sont quatre, mais ils s'appellent Trio avec un Y, s'il vous plaît. Cela fait 20 ans que ces quatre garçons chantent un reggae français, des textes drôles et concernés sur la fête, l'humanité et le plaisir de partager. Ils ont vendu plusieurs millions de disques avec une relative discrétion médiatique. Leur nouveau disque intitulé « Vent debout », le 7e, sortira vendredi, mais ils sont déjà repartis en tournée. Habitués aux grandes salles, c'est dans l'intimité du cabaret sauvage à Paris qu'on les a retrouvés. C'est là que ça prend tout son sens, parce que finalement les gens sont avec nous. C'est pour être plus près de nous, il faudrait être sur scène avec nous. C'est ça. Chanter, c'est libre de droit. Bon, normalement, il y a plus d'ambiance que ça. Hein. Groupe festif, sans oublier d'être engagé, Trio s'offre avec Vent debout un retour aux sources de ce qui a forgé leur identité. Dommage. Je crois que c'est un des albums où il y a le plus de chansons concernées, sociétales. Ça dépasse l'écologie, ça parle de politique, ça parle de démigrants. Et je pense que c'est aussi la période qu'on vit tous en ce moment. Tous, en tant que citoyens, bah nous on est citoyens comme les autres, seulement on met ça en chanson. Et c'est notamment à l'association Sea Shepherd et à son pirate de fondateur Paul Watson qu'il consacre cette fois une chanson. Paul Watson, ton drapeau, la colère dans tes yeux. Je connaissais un peu l'association et puis voilà, très imprégné, j'ai envie de dire, de ce genre de combat et envie de porter de l'assaut, de la faire connaître. On va essayer de se croiser et puis de faire avancer à notre manière les choses avec eux. Voilà. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Trio a un public généreux, heureux de communier avec le groupe qui les fait danser et penser. Un amour à double sens. Ce qu'on ressent, c'est de la gratitude. Je pense que c'est un des sentiments qui domine le plus. D'éprouver ce genre d'émotion, d'émerveillement sur scène avec le public, de ce phénomène-là qui n'est jamais épuisé. Il se renouvelle tout le temps. Alors, si vous êtes sensibilisé aux problèmes de la planète sans rechigner à faire la fête, Trio est parti pour une tournée marathon qui devrait immanquablement passer près de chez vous. C'est la vie, man.